Y a un zombie. Hey yo tout le monde, c'est Winside, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, moi ça j'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Ultra Mega Hardcore, saison 2. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait toutes les commandes. On avait découvert un peu notre endroit, mode amplified. On avait tout réglé un maximum pour que ce soit le plus dur possible. Et je vous l'ai dit aussi au dernier épisode qu'on allait miner. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une grotte, on est déjà à couche 30. Et on va essayer de se stuffer malgré notre demi-cœur. Donc voilà, comme je vous le dis, c'est un concept qui est très rare. Je sais pas si je l'ai inventé, mais toujours est-il que c'est original. Et que je voulais vraiment vous faire ça. Parce que c'est... Déjà, j'aime bien les UHC. Et en plus, ça me paraît bien de faire ça avec un demi-cœur, ça rajoute de la difficulté, du suspense. Et c'est toujours aussi excitant de voir un de mes épisodes sur mon ultra hardcore. Voilà, je suis narcissique. C'est pas vrai. Ne mettez pas en commentaire que je suis narcissique, s'il vous plaît. Ça me ferait du mal. Bon allez, on va changer de sujet avant que je me prenne une baffe de commentaires. Donc là, on a dû faire... Voilà. On va prendre le millimètre près de risque. On va faire zéro bêtise. On va faire en sorte de pas mourir, en fait. Bah, c'est le but. Aussi tuer l'Ender Dragon, je répète souvent, mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Que un jour on réussira, j'en suis sûr. Un jour on sera les meilleurs dresseurs. Donc je sais même pas conjuguer. Je suis nul. Ouais, je suis nul en français. Non, j'ai des bonnes moyennes. Alors, four. On s'en fout. Oh, j'ai pris un screen. Oh. 19. 19 fers, c'est bien. Alors. Ah, ça, on va faire cuire. On va aussi faire des torches. Oui, parce que mon texture pack, comme je vous l'ai dit, on voit pas la nuit en fait. Ça fait que moi, on voit tout clair, mais en vérité, là, c'est hyper foncé. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. Si je commence à faire un stack, ça me paraît bien. Hop, un stack. Et puis on va mettre sur les côtés. Parce que bon, faut quand même éclairer. J'ai pas envie qu'il y ait des mobs sur mon passage. Puisqu'on n'est pas en peaceful. D'ailleurs, on a vu un Enderman à l'épisode 1. Ok, ça on va prendre. On va éviter de gâcher du bois juste pour des tables de craft qu'on a posées. Et j'ai entendu un lac de lave en bas. Je sais pas si vous aussi. On va aller l'explorer, ça va être génial. Alors le fer s'avance. Ouais. On va se faire pantalon, casque et bottes. Et ensuite on fera l'enclume. Ok, on est pas mal, on est pas mal. On va continuer de miner. Jusqu'à la couche 11. Ouh. Ah, je me mets dans mon four. Hop. Alors, ça, c'est le dernier fer. Et celui-là, ouais. Voilà. On est super bien. Allez, couche 16, encore 5 couches. Et puis, on arrive à la couche du diamant. Et on est bien. Ah, déjà, un stack de pierres. Bon, on fera le tri plus tard. Hein. C'est pas une vraie priorité. On tombe directement sur du fer, c'est génial. En plus, c'est des gros filons. Hein. Des fois, c'est des filons de 5, des filons de 6. Waouh, je suis étonné. Alors, 11. On va fermer ici. On va prendre toutes les précautions.
Redstone. Ouais, pourquoi pas. Bah, c'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Bon. Charbon. Ah, le charbon, on en manque, hein. Quoi, quand même le prendre. Mais si on prend, finalement, vite, ça fait du bien, de l'XP. De toute façon, on en retrouve sur notre passage. Ouais, ce que je fais, c'est que je fais 5. Ensuite, je pose une torche. Je sais pas si ce que tout le monde fait, mais en tout cas, pas mal de gens mènent comme ça. Bon, c'est toujours long, hein, je vous l'accorde. Miner en roller coaster, c'est pas super. Ah, du lapis. Ça c'est bien pour l'enchante. En plus, ouais, encore un confluent. Et du fer. Que demande le peuple. Ah, vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a 6. Et j'ai rarement vu un filant de 6. Moi ouais, c'était toujours 4, 3, peut-être 5 même, mais 6, non, c'est rare. Vérifie toujours qu'il n'y ait pas de mob derrière, ça me ferait trop flipper. Toujours cette tour en moi. Alors, cette durabilité, bah on peut faire ça. Notre petit campement, on va l'installer ici. Ok, du fer. Hop, ça on va le cremer. Ensuite, on va faire une poubelle. Mais ça sera pour plus tard, on fera le tri plus tard. Ah, du fer. Hop, on est bien. On est au KLM. Et encore du fer, super. Bon, par contre, il est où ce diamant? Est-ce que ça m'embête un peu de pas en trouver? Ah, du gravier. Ça sert à rien. Bah, surtout c'est quand on n'a pas de plume. Donc du coup, on va miner à côté. Ah, c'est tellement long. Voilà, et ensuite, on reprend comme ça, c'est parfait. Un jour, on va tomber sur du diamant. Mais là, on tombe que sur du fer. Hop. Ah, vous avez entendu? Lac de lave. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle de trouver un lac de lave. Par contre il faut un seau d'eau. Et de l'eau j'en ai pas. Faudra remonter du coup. Ah, voilà du fer. Ouh là là. Vous avez entendu le squelette? Vous avez entendu, on a de l'or, ça sert pas à grand chose, mais écoutez, on va quand même le prendre. Ça on va enlever, ça aussi ça on va garder. Là c'est très dur, les cavernes, faut prendre le moindre risque. Alors ça a cramé. Hop. Si on n'a pas assez de bouffe. Bon, vous savez quoi? On va faire quelque chose. C'est qu'on va remonter. On prend des risques. On va le faire. Bon, d'abord on va regarder si c'est la nuit, parce que si c'est la nuit, ça craint un peu. Alors du coup, on va éviter de sortir la nuit. Mais on verra. On verra ce que ça donne. Et si c'est le jour aussi, on fera une chasse au bout.
Parce que si, c'est pas assez. Ah, c'est le jour. Je vérifie. Ouais, c'est bien le jour. Vous voyez, le soleil bouge. Il n'y a pas de bouffe à l'horizon. C'est dommage. On va faire un totem. Voilà, à la Fanta, comme on l'a dit à saison 1. Voilà, petit MLG. Petit MLG. Alors, on va retourner là où on était. 1, 2, 3. Et puis on descend. Comme ça, on a notre, on est tranquille. La hache. La hache, on va laisser là. Là, ouais, on a assez de charbon. On va faire briquet. Donc là, on avance. Je vais pas sauter parce que j'ai pas envie de perdre ma bouffe. Ça a cramé, ouais. Hop. On essaiera de voir ce qu'il y a dans la caverne, même si ça me rassure pas du tout. On va éclairer. Ouais. Ouais, 5 d'or, pourquoi pas. Bon, allons voir dans la caverne. Y'a un zombie. Y'a un zombie qui monte. On va le tuer doucement mais sûrement. C'est hyper dangereux. Monster Hunter. Pas mal. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres mobs. On peut y aller. Pff, putain, squelette. C'est stressant. Je cache pas. Là, je panique un peu. Je vois un squelette, je vois tout. Faut tout éclairer. C'est... On va bouffer ça en espérant ne pas avoir hunger. Et merde, on a hunger. Bon. On va croiser les doigts. Croiser les doigts. Plutôt l'épée, hein. Vu qu'on a une épée. Ça me stresse. J'ai peur qu'il y a un mob qui spawn devant, derrière moi. On prend ça, on se calme un peu, on a vu la pisse, on doit être content. Et puis, on est pas mal. Ok. En bas du fer. Bon, on a un zombie. Je crois que c'était un squelette, mais non, en fait, c'est un filon. On va éclairer ici. Ici, ici. Prends ça. Il y a une sorcière. Il y a un creeper. Vous voyez, il n'y a rien pour nous rassurer. De la pure survie. Je regarde au bout s'il n'y a pas de diamant, sinon j'ai pas envie de miner en roller coaster. Ce serait beaucoup trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver ce diamant plus rapide. Au plus rapide, au mieux ce sera.
Ok. Oh purée, un squelette. Il y a une araignée là-bas. Il y a une araignée. Vous avez vu? Regardez l'araignée. Regardez, elle a envie de m'attaquer. On va se cacher, on va se cacher. Ouh. On va faire un petit espace et je pense qu'on va s'arrêter là, ça va être les 15 minutes. Voilà, on va faire notre petit espace. On va prendre le fer, on va le faire cuire. On va s'arrêter là, c'était un épisode plutôt chaud. Si on peut dire c'est comme ça. Parce que bon, on a fait... Là, on a vraiment fait du hardcore. Même si bon, c'était pas le plus impressionnant non plus. Mais le plus impressionnant reste à suivre. Et ce sera lors du troisième épisode. Encore du fer, c'est bon, j'arrête de le prendre. Donc on va faire cramer tout ça. Et ensuite, on va se dire au revoir vu qu'il est l'heure. Tac. Ok, donc, les amis, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me ferait plaisir, ça me soutiendrait pour mon aventure. Qui risque d'être longue et compliquée. Donc, la prochaine fois, je pense qu'on continuera de découvrir les cavernes, mais évitez de découvrir celle-ci, vu qu'il y a trop d'espace, trop de mobs peuvent spawner. Et donc, je vous laisse sur cette petite panique avec l'araignée, avec le squelette. Et je vous dis à la prochaine. Bye.